Naturellement, c'est plus facile de gérer une période de croissance de ce type-là que de devoir fermer des entreprises ou des classes. Mais il faut savoir aussi d'où on vient. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 70, la Gruyère était une terre d'exode rural. Et aujourd'hui, on est en plein boom. Mais c'est un boom qu'il faut pouvoir gérer. Et malheureusement, les autorités politiques n'ont pas toujours tous les instruments en main. Et ça, la population ne le sent pas toujours. Nous devons aller vers plus de qualitatif, avec une mobilité plus durable, avec une approche pour l'agriculture plus diversifiée, produits locaux. On sent bien cette nécessité d'une proximité par rapport à la production aussi. Je pense que le tourisme aussi doit revoir un peu son équilibre entre l'hiver et l'été, quatre saisons, un tourisme familial. Les différents éléments que nous avons eus dans le cadre du plan directeur régional, notamment les contacts avec la population, allaient tous les éléments allaient dans la même direction. Une reprise en main du qualitatif.